Ah ouais? Comme on faisait dans la ville de Fort Citron. Ouais. Bonjour, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette toute nouvelle vidéo, et ben déjà on se retrouve avec Garden. Sur une vidéo. Et enfin, on se retrouve pas pour une vidéo, on se retrouve pour un nouveau Fort Cinéma. Et dans ce nouveau Fort Cinéma, déjà, c'est la fin des jours. Hein, où il y a eu 13 courts-métrages, 13 ou 12 ou 14, je sais plus. Bon, bref, on va dire 13. Il y a eu 13 courts-métrages en imposteur. Et voilà, il y a eu que et ça voilà, en fait. Y a que si tu pouvais te mettre équipe 1, ça serait bien. Oui, attends, je me mets équipe 1. Donc du coup, attendez, on va vous présenter vite fait les nouveautés qu'il y a eu dans la ville, dans la nouvelle ville du coup. Bon, c'est des petites nouveautés, hein, c'est des toutes petites nouveautés. Donc déjà les cubes seront déplacés parce que au tout début, les cubes, ils étaient ici. Ensuite, un court métrage plus tard, il y a le cube en or qui s'était déplacé. Le cube violet qui était ici. Et le cube bleu qui était ici. Et donc du coup, on a déplacé le cube les cubes. Le cube en or, c'est pas déplacé. Voilà, le cube en or, c'est pas déplacé, là, c'est son final. Et donc, on a déplacé les cubes. Et maintenant, le cube violet est devant l'entrepôt de Lio. Et le cube bleu est devant le Shiny Midas, prêt à aller vers Singularité, du coup. Et il y a aussi quelques petits easter eggs, donc on en a pas rajouté, mais c'est juste pour les présenter. Là, c'est un bout de dirigeable craché. Là-bas aussi, un bout de dirigeable craché. Et sinon, depuis quelques temps... What? Pourquoi je vois mémoire consommée 0 sur 100? C'est sur 100 000. Tu vois, ouais, tu bon voilà. Pour... donc, voilà. Et depuis quelques temps, dans les courts-métrages, il y a des personnages qui font que apparaître. Il y a celui-là. Donc celui-là, il est apparu. Donc tous les épisodes, il y a un personnage qui apparaît ou qui avance. Ouais, au début, dans un premier épisode, il y a ce personnage qui est apparu. Dans un deuxième épisode, il y a ce personnage qui est apparu. Et donc là, on a changé de personne. Enfin, on a changé de personnage. Et c'est maintenant ce personnage qui est apparu. Voilà, donc il est assis sur l'entrepôt de Lio. Donc voilà, tous les épisodes, il y a des personnages qui arrivent ou des personnages qui se déplacent, comme ça un peu. Et je vous dis un truc, à la fin, ils seront tous réunis. Voilà, ils seront tous réunis. Donc, on commence. Ouais. Donc, on doit aller juste ici pour le début du court-métrage. Donc, c'est la suite du dernier... Oh, mince. Du dernier Fort Cinéma. Voilà. C'est la suite du dernier Fort Cinéma, donc le Fort Cinéma avec les jours. Vas-y, passe par là. Donc dans le dernier épisode, à la fin du dernier Fort Cinéma, Agent Jones et l'Onirisme sont passés par des canalisations pour sortir des endroits de Lio, donc du imposteur et tout. Et là, ils vont apparaître donc dans l'entrepôt de Lio et je vous souhaite un très bon visionnage. Non, attendez, juste on prend les planeurs. Juste des petits planeurs, ils sont où? Non, mince. Voilà, donc 3, 2, 1, go! Avance, Jin Jin! Ouais, bah punaise, c'est tellement étroit que. Ok, c'est vrai, on a. Ok, on est sorti de canalisation? Oh, oui. Où on est? On est dans un autre endroit de Lio? Regarde, on dirait Rick et Morty. Ouais. Les gars qui dorment? Eux? Je veux les récupérer. Attends. Il faut taper un code. Si je tape Spider-Man. Code d'erreur introuvable. Ok. Docteur Sloan. Code d'erreur introuvable. Ouais, bon, c'est pas grave. Le buisson moche. Code d'erreur introuvable. Ok, on va jamais y arriver. Oh, regarde, il y a deux petits œufs. Ouverture de la porte secrète. Comment ça porte? Ah bah y a rien. D'accord. Oh regarde, il y a des foreuses ici. Oh regarde, viens voir. Oh. Oh c'est un endroit de Lio. Attends, viens. Je voulais juste aller voir les œufs. Vite fait. Les œufs, ils ont l'air bizarres. J'avoue, regarde, on dirait des œufs de serpent. Hein. Ouais, on peut pas les transporter les emporter les deux. Ok, donc du coup, mince, punaise. Voilà, ok, j'en ai pris un. J'en ai pris un. On a pris les deux. J'en ai pris un. Moi aussi j'en ai pris un.
Ah. Ok, voilà. Bon, on prend les deux. Oui, voilà, ok. On les transporte, let's go, c'est parti. Après, ils sont lourds, hein. Oh, ouais, c'est vrai, ils sont lourds. Ouais, regarde. Oh, regarde, il y a un fichier qui a été volé ici. Je sais pas par qui. Attends. Non, je sais pas. Il y a un fichier qui a été volé, il y a quelques ordinateurs liés ici. Bien vite. Mais maintenant, en plus, Midas, il a supprimé les... Oh, il est de la Néoville. Le cube. Hein? Mais en plus, je crois que Midas, il a supprimé tous les plans de Mio et il a effacé l'historique. Ok, mais fais attention, cube. Bonjour. Pourquoi tu me regardes, toi? Ah ouais, t'as l'air déprimé, en fait. Ah, t'es comme agent 8, toi. T'es comme agent 8, corbeau. Tais-toi, je sais que c'est toi qui fais ce bruit. Bon. Oh, regarde, il y a une mini statue là-bas. Ah mince, j'ai perdu mon... Ah non, c'est bon, j'ai encore. Il s'est enregistré dans mon téléphone, je peux le lâcher. Il s'est enregistré dans mon téléphone. Oh, il y a une mini... Oh, le cube en or. C'est un cauchemar. Bonsoir, les amis. Oula, le cube bleu. Oh là là, lui il part pas, je crois. Oh, ouais, c'est la statue de Midor, elle a le précis. Les plus petits qu'on a vu. C'est la statue de qui? De Midor. Ah, je connais pas Midor. Oh, oh, le regarde, il y a... Ah, bah j'en connais pas. Regardez. Oh, on dirait le même que là-bas, mais dans une autre couleur. Imagine, ils font partie de la même famille. Oula, on va peut-être partir en fait, hein. Non, hein. Au revoir, monsieur, je vous aime. Attends, mais c'est pas possible. Ah, Francis, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je me suis fait... Oh, mais non, en plus, il y a l'autre, la tueur. Il y a June Jones, il va me tuer. Aïe. Tu primes les, il me saute déjà. Non, tu sais quoi? Si tu m'ouvres le vanillisme, tu es morte. Eh ben, c'est... Oh, des planeurs et un cramponneur. Moi, je prends les cramponneurs. Comment on prend les... Bon, voilà. Moi, je vais me réfugier dans le chalet Midas. Non, ah, punaise. Ah, mais non, il a une chambre d'amis, d'après mes souvenirs. Bon, attends, je vais enregistrer le... dans mon téléphone. Oh, je l'ai déjà enregistré dans mon téléphone. Ok, on doit les garder, mais il faut faire attention. Bon. Ok, on va se réfugier dans la chambre d'Annie Midas. Oh, c'est cool. Ouais. Oh, attends, il y a un petit coffre. Le coffre de... le frigo de Mio's Clé. Ah, mais non, mais je crois que c'est... Ouais, quoi. Oh, du lait au chocolat. Attends. Ouais, on va tout finir, hein. Attends, si on mélange le lait et le lait au chocolat, ça doit faire encore plus de lait au chocolat. Attends, on mélange. Oh my god, tout, ça déborde. Vite, bois tout. J'ai trop bu. J'ai omis tout mon lait. On va pas en acheter d'autres, hein. Ouais, bon, ça, après il y a du poisson et tout. Ouais. Non, okay. Ça c'est mon lit. Bon, ça c'est mon lit, voilà. Quoi? Eh, hey, trop tard, j'allais y aller avant toi. Je retourne dans ton okay. Lit. Bon, moi je prends le bébé. Alors, il n'y a pas de PS5 ici. J'ai trouvé le bâton de Midas. Regarde. Tu as trouvé où? Ben, par terre. Oh, la fourmi de Dr. Sloan. Je l'ai volé pendant qu'on était dans... enfermé dans l'institut onirique. Je vais peut-être la ranger. Attends, t'as mangé toi? Non. Bon, j'ai vite fait voler un taco. Oui, des sushis? Oh, c'est quoi? C'est... Oh, c'est un taco. C'est un tacos. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Ah, c'est trop bon. Oui, mais il est trop bien sa chambre d'amis. J'ai l'impression qu'il est mieux que sa maison. Ouais, Midas, donc du coup, je te disais... Oh, je crois qu'il y a Midas et Genevi qui arrivent. Oh, putain. Il faut pas faire de bruit. Pas faire de bruit. Et mince. Oh là là, non. John, il faut faire attention. Il faut pas que tu fasses du bruit. Ok, c'est pour ça que je suis...
Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé dans le imposteur. En fait, c'était pas vraiment moi. Je crois que c'est à cause de Sloane, elle m'a manipulée. Ah d'accord. Ouais. Donc sinon, moi je dors où ce soir? Ouais, parce qu'en fait je réserve. Voilà, je réserve chez toi. Voilà. Alors je vais te donner 100 euros. Voilà. Chambre d'amis qui est en haut. Ah ouais, c'est vrai. Merci. On est mort. On est mort. Oh, on fait croire qu'on est des statues. Je fais croire. Non, mais non, du coup, je peux pas sortir. Tu devrais me rendre à Jonesy aussi, Oniris. Pas maintenant, sinon il va me tuer. Parce que je crois qu'il sait que j'ai volé sa banane. Enfin, que je t'ai volé toi, mais. Mais enfin, bon, t'as compris, mais. Bon, donc, on il, va voilà, se réplier, il est peut-être énervé. On va se réplier, on va se réplier. Oh, yes, je sais. Contre screen 1. Là, mais il n'y a pas de chambre. Mais oui, mais il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. On va installer des lignes, t'inquiète. Comment on va dormir s'il n'y a pas de chambre? Oh, je vais pas dormir dans la pizzeria. Pourquoi il y a un cube bleu? Pourquoi il y a un cube bleu? Pourquoi il y a un cube bleu? Pourquoi? Hein? Ah bah il a disparu le cube bleu, c'est parfait. Alors qu'on est allé où il y avait un cube bleu, donc tu rentres au bout de Ken. On va installer des lignes, on va installer des lignes. Oh ouais, attends, d'abord on va manger parce que bon, moi j'ai mangé un tacos. Moi aussi. Bon, alors, là en plus, là, il est actuellement. Il est actuellement 11h45, j'ai trop faim! Bonsoir, je m'appelle Bob. Bonjour, Bobby. Qu'est-ce que vous voulez? Une pizza. Oh? Une pizza, quel goût? Ne prenez pas cette pizza. Goûtou, goûtou, je veux goûtou! Vous êtes immobilisé. Ah, c'est une pizza immobilisée? La prochaine fois que vous prenez cette pizza, vous mourrez. Oh, bref, attends, je crois que c'était pas une bonne pizza. Qu'est-ce que vous voulez comme goût? Qu'est-ce que vous voulez? Attends, je vais finir. Non, non, et par contre... Je vais venir par mon pizza. Il va avoir une pizza que vous vomis. Nettoyage en cours. Nettoyage fini. Bref, qu'est-ce que vous voulez comme punaise de goût? J'ai plus envie de pizza. C'est ma phobie. Choisis-toi, John Jones. Moi j'ai envie d'une bonne pizza. Mais quel goût? Alors, je voudrais goût. Il y a que goût champignon, je crois, non? Non? Je crois pas qu'il y a goût champignon. Si, la pizza que j'ai mangée, c'est champignon. Ah, c'est pour ça, c'était des mauvais champignons. Oh là, j'ai failli mourir, ça se trouve. Hein. C'était des champignons empoisonnés que vous avez trouvés dans une vieille forêt. Ah bah, si tu m'étonnes. Bref, vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez comme pizza. Déjà... Une pizza à l'ananas. Comment? C'est dégoûtant. Vous mangez des pizzas à l'ananas? J'ai dit que c'est dégoûtant. J'ai eu peur. Non, je rigole, j'en mange pas. J'ai eu peur. Non, je rigole, j'en mange pas. J'ai eu peur. Bref. J'ai eu peur. On fait une pizza. Moi, je vais prendre une pizza 4 fromages. Pizza 4 fromages. Midas, t'auras envie de pizza quoi? Non, attends, il y a Jonesy, Midas qui arrive. Ouais, bref, ça va, c'est bon. Moi, je veux une pizza aux 4 fromages, personnellement, pour moi. Ouais, ok, ben tenez, il est directement dans le fromage. Oh, merci beaucoup. C'est quoi, c'est... Ok. Toi, tu voulais une pizza aux 4 fromages? Non, moi, j'ai plus faim. Après, ma pizza aux champignons pourris. Voilà, quoi. Je crois qu'on a un problème technique. Pose-la par terre. Ouais, on a un problème technique. Nettoyage en cours. Nettoyage fini. Non mais c'est parce que quand la pizza s'est balancée, il y avait de la pizza partout dans la cuisine. Ils ont nettoyé. Bon, on va pas se plaindre. Alors, moi j'ai faim.
Bon, alors c'est parti pour notre date. Voilà, allez, vas-y, assieds-toi, là, on doit faire un date. Non, je rigole. Ouais. Oh, j'ai mis des, c'est parti. Bon, j'ai plus faim. L'addition, s'il vous plaît, robot. Bonjour, c'est moi qui donne l'addition aujourd'hui. C'est qui parle? Je suis Mini Robux. Mini Robux? Pardon, Mini Robot. Mini Robot? Oui. Bon, bref, l'addition, donnez-nous l'addition. Ok, l'addition, c'est 7 plus 7. Alors, 7 plus 7, ça fait... 14. Mais, 14 mais... euros? Oui, exactement. Mais oui, ça fait cher. On devrait faire des réductions. Bref. Non, je rigole. 1000 plus 1000. 2000 ! Non, je rigole. 7 plus 7 égale 14. Donc 14 euros. Dépêchez-vous, j'appelle la police. Tenez. Attendez, je le donne à Bob. Tenez. Merci beaucoup. Au revoir, Mini Robux. Mais quand il m'a parlé, il a dit qu'il s'appelait Mini Robux. Et il s'écrit dans Roblox. Bon, attends, chut, je vais ouvrir des pétales. Putain, il était là 4 pièces. Oh my god, Conolio, tu vas pas me vouloir, hein. You. Hey you! Maintenant, donne des colis pour manger. Bah, vas-y, mange tout. Moi, je pars. Allez, je te laisse dans la mouise. Bon, on va dire que c'est. Bon, voilà, c'est à cause de Kuno et Léo. Hein. C'est pas à cause de nous. On a rien fait, nous. Le futur trophée du futur tournoi Rocket League. C'est quoi ça encore? Ça sera le trophée de celui qui va gagner le tournoi Rocket League. Oh, c'est moi qui vais le gagner. C'est moi. Je m'en fiche. C'est moi. C'est moi qui vais le gagner. Mais ça sera quand le prochain tournoi Rocket League? Je sais pas. Attends. Si je regarde, ça sera demain. Non, je rigole. Ah si, c'est demain. C'est écrit. Attends. Quoi? J'ai dit ça au hasard. Ah oui, c'est écrit là aussi. Demain. Ok, d'accord. Ah, attends. Il y aura... Ah non, ça, c'est la première partie du tournoi. Là, c'est la première partie du tournoi. Et la deuxième partie du tournoi, ce sera le 4 juin à 22h. Quoi? 2022 en plus? Mais vous rendez compte que c'est la guerre finale contre la Stionirique, hein? Donc non. Kuno, allez, je t'appelle pour te dire de changer l'horaire de la deuxième partie du futur tournoi Rocket League. Votre message est trop long. Il a été supprimé. Change tes horaires. Votre message est trop long. Allô, Kuno Aléo. Yes, it's me, boy. Yeah. Votre appel a été arrêté par Kuno Aléo car il vous aime pas. C'était une blague. Bref, Kuno Aléo, change les horaires de la deuxième partie du tournoi Rocket League. Ok, alors ça sera. Le 4 juin à 22h, c'est officiel. Le 4 juin. C'est officialisé. On peut pas changer. Il y a déjà tout le monde qui s'est préparé. Tais-toi. Tu vas te taire ensuite. Et c'est moi le chef. Ok, je te supprime. Non, mais ils sont complètement malades. Je te supprime, d'accord. Je te supprime. Vous ne pouvez pas me supprimer. Je resterai avec vous pour toujours. 3, 2, 1. Bonjour, je suis Mini Robux. Tais-toi. Bonjour, je m'appelle Bob. Bobby. C'est moi Bob. On est deux Bob, je te rappelle.
maigri. Bref, le prochain, la deuxième partie du tournoi Rocket League sera le samedi. Voilà, c'est bon, vous êtes contents? Voilà. Ah mais non, du coup, demain c'est samedi. Ça sera dimanche. Non, non. Désolé. Ça sera lundi soir. Non, désolé, mais samedi. Ah bah oui, du coup lundi soir. Mais non, en fait. Mais si, mais non. Et ça fait bim bam boum, ça fait pichet, ça fait broum, ça fait bim boum, dans ma tête y'a tout qui tourne. Non, ça sera mercredi, voilà, ce sera mercredi. Mercredi, non, je rigole, ce sera samedi à 22h, le 4 juin. Ouais, non, non, c'est une blague. C'est une blague. Pourquoi toi tu me vises avec un cramponneur? Je te tue en fait. Jens, tu parles, tu es là? Eh oh! Eh oh, tu parles, tu es là? Eh oh, tout va bien? Eh bien, t'es là, Jo. Ok. T'es là, mais bon, oui, je t'entends plus. Ah oui. Bon, maman, je vais partir pour aller avancer le robot méca. Bye. Je vais aider le scientifique à améliorer le robot méca. Parce que le robot méca, il est toujours pas fini. Hein. Il a toujours pas son bras. Il est toujours pas bien réparé. Il faut lui mettre sa nouvelle couleur des 7. Si je te marque ta faute. Non. Bon, à plus tard, John. À suivre.